Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes autonomes et indépendants dans leurs projets et dans leur carrière. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à comment écrire des paroles pour une chanson. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est comment justement se préparer à écrire des paroles pour une chanson. Nombreuses sont les personnes qui me demandent, alors comment est-ce qu'on débute une chanson? Comment est-ce qu'on se prépare à ça et comment est-ce que lorsqu'on se lance dans l'écriture de chansons, est-ce qu'il y a une procédure à suivre ou non? Ok? Donc moi j'ai ma petite idée, j'ai ma petite procédure que j'ai à partager avec vous. C'est une procédure que j'utilise déjà depuis un certain moment et qui m'apporte des résultats. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne et c'est la première fois que vous voyez ma tête, je vous invite directement à cliquer sur le bouton s'abonner. Et cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo sur le thème de la musique et comment développer ses projets musicaux. Alors, surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai l'accès à une formation offerte pour pouvoir développer votre compétence en écriture. Alors aujourd'hui, j'ai trois conseils pour ceux qui veulent écrire des paroles pour leurs chansons. Alors que ça soit une chanson de rap, que ça soit une chanson de pop, que ça soit une chanson d'urban pop, afrobeat, tout genre qu'on peut trouver, tant qu'il y a des lyrics, tant qu'il y a des paroles, la procédure est à peu près la même. Après, quand je dis paroles, c'est vraiment chanson à texte. Vous voyez, un gimmick, c'est-à-dire entre guillemets une phrase d'accroche, c'est pas pour moi, c'est pas un son à texte. Vous voyez, s'il y a juste un let's do it now. Voilà. Pour moi, c'est pas de la musique lyricale. Lyrique, on écrit des textes. C'est pas de la musique à texte, concrètement. Donc, si vous avez juste un. Voilà, donc tout ce qui est house, tout ça, non, malheureusement, je ne vais pas considérer ça comme de la musique à texte. Ça reste de la musique, mais c'est pas de la musique à texte. Donc, pour tous ceux qui font de la musique à texte, donc pour des. À texte, donc qui veulent écrire justement des paroles sur un support instrumental, voici mes trois conseils. Alors le premier conseil que je peux partager avec vous, c'est tout simplement de définir pourquoi est-ce que vous voulez écrire cette chanson. Et justement, pourquoi se poser cette question? Alors, dans un premier temps, ça vous permettra de clarifier vos intentions, c'est-à-dire, est-ce que je vais écrire cette chanson pour me libérer d'une émotion? Est-ce que je veux écrire cette chanson pour toucher les gens? Est-ce que je veux écrire cette chanson pour ambiancer les gens? Est-ce que je vais écrire cette chanson pour... Voilà, vous avez différentes raisons. Vous pouvez écrire des centaines de chansons et avoir des centaines de raisons différentes pour chacune des chansons, vous voyez? Donc, ça va être très important de savoir pourquoi on veut écrire ce morceau. En même temps, en sachant pourquoi on veut écrire ce morceau, on a des raisons d'aller jusqu'au bout de ce morceau, c'est-à-dire de finir et de terminer ce morceau. Et ça, c'est très important parce que on est toujours plus enthousiaste à commencer un morceau que de le finir. Donc, voilà, en ayant un pourquoi précis, concrètement, ça va être une source de motivation qui va nous permettre d'aller au bout de ce projet. Ok? La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de commencer à écrire ce qui vous passe par la tête par rapport à ce morceau, par rapport à ce thème, d'écrire tout ça en phrases concises et surtout sans rime pour le moment. Ok? Pourquoi procéder comme ça? Parce que tout simplement, en écrivant sans rime, vous n'êtes pas encore dans cet exercice de trouver des rimes, vous êtes seulement dans l'exercice de trouver un sens pour la chanson que vous êtes en train d'écrire. D'accord? En écrivant des phrases, toutes les phrases qui vous passent par la tête par rapport à la chanson que vous voulez écrire, vous allez également pouvoir clarifier ce que vous voulez dire et par la même occasion éviter le syndrome de la feuille blanche. Ok, qu'est-ce que le syndrome de la feuille blanche? C'est tout simplement lorsque vous avez des blocages, le blocage de l'écrivain, c'est-à-dire que vous êtes devant votre feuille et vous ne savez plus quoi dire. Ça sera pas le cas, ça sera plus jamais le cas si vous appliquez ce conseil dans le sens où avant même de commencer une chanson, vous avez déjà mis sur papier toutes les idées. Il n'y a pas besoin d'avoir de rime pour le moment. Au moins, vous avez des éléments qui vont pouvoir agrémenter votre chanson. Et ces éléments-là seront directement liés au thème de votre chanson. D'accord? Alors, la troisième astuce que je peux vous donner, une fois que vous avez énuméré toutes les idées, tous les éléments que vous désirez intégrer dans votre chanson, ce qu'il va falloir faire, c'est les répartir par idées. C'est-à-dire que si vous avez une dizaine de phrases, dans ces 10 phrases, il y aura des phrases qui iront ensemble, des éléments qui iront ensemble, des idées qui iront ensemble. Ok? Donc vous répartissez ces idées ensemble. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces idées une fois réparties
ensemble, elles vont peut-être pouvoir nous permettre de structurer nos couplets. Si vous avez écrit plusieurs éléments et plusieurs idées et que ces idées se regroupent en deux familles distinctes, tout simplement, ça peut être un premier couplet et un deuxième couplet. D'accord? Si vous avez plus de groupes d'idées, à vous de voir si vous faites un premier couplet, un deuxième couplet et un troisième couplet. Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas mettre deux idées, en tout cas deux groupes d'idées, dans un même couplet? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà une structure de morceau avec une idée et vous avez déjà de quoi développer. Même si vous n'avez pas encore les rimes, les phrases complètes, ça sera l'étape suivante. Et une fois que vous aurez fait, en tout cas appliqué les trois premières astuces que je viens de vous donner aujourd'hui, vous allez pouvoir passer à l'écriture plus facilement, de façon plus fluide et sans jamais avoir ce syndrome, le syndrome de la feuille blanche. Ok? Donc c'est tout pour cette vidéo, les self-made. Et comme promis, en dessous de la vidéo, vous avez accès à 1 heure de formation offerte sur la composition de texte et sur l'écriture pour vous guider un petit peu plus si vous désirez aller plus loin. Ok? Alors, on se retrouve de l'autre côté pour les plus déterminés et pour les autres, on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, go! Alors, qu'avez-vous appris de cette vidéo? Comment est-ce que ces conseils peuvent s'adapter à votre cas et quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire également. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo et également sur la cloche afin d'activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo que je publie. Merci à vous les self-made. Go!